Et les gens, bienvenue sur frappistesjeux.fr, sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Fallout 76, où, comme toujours, on va continuer à chercher nos petites récompenses sur la nouvelle saison en faisant des quêtes, des défis quotidiens. On a déjà terminé la plupart des défis hebdomadaires depuis hier. Donc normalement, ce soir, ça devrait aller plus vite. Enfin, ça va dépendre des missions. La neige, la neige, la neige. Moi, j'aime bien la neige. Ma base. Ok. Une bête à miel, tu as un Lofius, tu as un ennemi humain. Manger la nourriture pour chien, fermenter une boisson alcoolisée, récupérer de l'eau purifiée. Bon, ça, ça va être vite fait. Allez, on y va. Faites, faites. Salut, vous. Vous avez décidé de venir éclaircir ma journée? Exactement. Ensuite, quête suivante. Une bête à miel, jamais vous trouvez une bête à miel, tu as un Lofius, pareil, j'ai toujours du mal à les chats, à savoir où ils sont eux. Manger la nourriture pour chien, heureusement j'en garde dans mon inventaire pour être tranquille. Vivre. Ah. C'est bon, c'est pour que je fasse de la plage, j'ai tellement de trucs qui servent à rien, genre les fruits à varier, regarde, légumes à varier, fruits à varier. J'ai encore beaucoup trop d'eau, faut que je vire un peu de ces éléments-là. Nourriture, check, c'est fait. Ensuite, un gobeur, l'équinoxe de l'homme phalène. Il est 2h44, donc c'est tombé bien, on va plutôt en avoir un bientôt, un équinoxe. Je sais plus exactement ce qu'il me faut, je crois qu'il me faut du maïs. Alors comme ceci. Là, ça serait peut-être pas mal de faire de la VR après, je sais pas, on va voir. Il y a assez d'énergie actuellement, en tout cas, oui. Maintenant, faudrait que j'essaie de bosser un petit peu, que je reprenne le dessin. Vu qu'on est encore à fond dans les quêtes quotidiennes et tout. Ouais, c'est le meilleur moment. Faudra que je reprenne, du coup. Mais je peux déjà en recueillir? Bon, ça se fait. Ma vie s'est tellement améliorée ces derniers temps. Les migraines persistent, mais ça n'a rien à voir. Il faut 2 blés sur 1. Et un maïs, ok. Bon. Oui, ça, j'ai déjà ma carte. Et puis bon, comme je te dis, le problème, c'est que je peux pas faire Assassin's Creed vraiment correctement. Je sais pas comment je vais le faire. Ouais, je trouve un moyen. Donc ça c'est en cours. Ok, tu as un ennemi humain. Ouais, se taper les ennemis humains. Est-ce que j'ai encore assez de balles? Ouais, ça suffira. Ah, j'aime bien venir par ici pour les tuer. Des chances, ouais, just tonight. Il reste plus grand chose à faire sur Disney, mais bon. Alors après, le problème, c'est que Disney, je peux pas y aller avant 5 ou 6 heures du matin, je crois. J'ai déjà fait les quêtes d'aujourd'hui. Et donc, faut l'attendre qu'il passe à demain. Et il passe à demain vers 5 heures du matin, je crois. C'est normal. Vraiment absent.
Et bien, ça me avec leur grenade là-haut. Ils ont amélioré leur cette grenade ou quoi? En fait, c'est pas qu'il faut attendre pour que les nouvelles quêtes apparaissent, et que du coup, enfin si, en quelque sorte, c'est ça quand même. C'est-à-dire que je suis dans l'obligation de... les quêtes du jour soient terminées. Donc tu vas me dire que oui, c'est bien le principe. Dans un sens. Parce que quand tu me dis ça, je me dis bah non, c'est les quêtes que j'ai déjà d'avant. Elles se réinitialisent pas les quêtes d'un jour à l'autre. C'est les personnages qui se réinitialisent. Donc pour que je puisse accomplir mes quêtes, il faut que les personnages se réinitialisent d'abord. Combien là? À 7 sur 10. On va faire un petit dérapage par là. En général, il y a ce qui me manque. Bah, faut que je regarde comment ça enregistre. En fait. Après, je peux quand même le faire en live, peut-être en mettant le truc que c'est pas ce qui m'aurait plu le plus. Ou alors, peut-être que j'attende qu'il y ait un système qui permette de les lancer. Sa maman et je la tue. J'ai la chair de poule. Comment ça? Attends, j'ai pas compris. J'ai eu un vol d'informations privées, c'est-à-dire. Ah, c'est déjà une banque. Plus de moi à nourrir. C'est bon, il n'y a plus besoin de venir me tuer. J'ai plus besoin de vous tuer, donc ne me chassez plus. Faut que je puisse partir. It's not over. Toi, t'as des lasers et ça me fait mal les lasers, donc tu vas mourir en premier. Voilà. Rien, t'en retrouveras d'autres. Ou pas. Oh, j'adore quand c'est l'ambiance comme ça là. Golden Hour. Bah, tu me disais pour le. Ouais, le vol d'identité, qu'est-ce qui s'est passé? On fait passer pour toi pour ouvrir un compte à la banque, quand tu es dans le genre? Des papiers ou un truc dans le genre. Même vachement bizarre genre de choses, je trouve. Déjà que ce soit faisable aussi facilement, j'ai l'impression. Du coup, t'as reçu un document. Bonjour, nous avons bien créé votre compte. Après, est-ce que c'est pas un faux compte? Enfin, est-ce que c'est pas un faux SMS, histoire que tu répondes, justement? Bon. En quelque sorte. Je
nous on reçoit plein de faux SMS nous disant qu'on a un colis en attente, toujours de choses ou. Après, pourquoi ne pas contacter directement la banque en question ? Voir auprès d'eux s'il n'y a pas un truc qui s'est passé. Et coucou Huxley, comment ça va? Là, je peux rien faire de plus. Lofius, je sais pas où est-ce qu'il y en a. Ma page internet qui normalement est ici. Ah, là. Donc, solution. Interactive. Bonne nuit, Laure. Repose-toi bien, du coup, merci encore de m'avoir accompagné. Et bisous, bon repos. C'est un Lofius qui est popé là-bas. C'est des calcinés qui se battent, ok, c'est des trucs qui se battent avec des calcinés. On sent je trompe. Bonne zone non plus. Bien pour en trouver des Lofius. Pourquoi est-ce toujours aussi difficile de manger des paquets de princes? C'est vrai qu'on avait mangé en plus d'Eb des paquets de princes. Ugh!
En fait, là-bas, je suis à la recherche de Lofius. J'ai pas rechargé. Elle est tellement violente. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Ah! Bon bah d'accord, elle est morte quand même. Bon, pas Lofius. Voilà, tu veux 3 locus, c'est bon. Mon public commence, ok. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est une bête à miel. Ouest, vite fait. Non, ça c'est vite, on devrait pouvoir tomber dessus. Mais dit que la quête spéciale là n'est pas. Trop violente. Elle va pas trop vite, donc j'ai le temps, quoi. En face, là-bas. Le Volo, c'est un lieu qui n'a aucune... ça à découvrir. Ce qui est cool dans le jeu, c'est que tu explores des zones où il n'y a rien et en fait tu tombes quand même sur des trucs. Et c'est Darius. Bonsoir, en forme. Toi, tu es en forme ou tu demandes si on est en forme? C'est pas ce que je cherche.
Faut que j'envoie une bête à miel en dessous. C'est bon. J'ai eu tout là. Quotidien, il reste la boisson alcoolisée. Et tu as des personnes sur place. Les gobeurs ici. On est bien là pour l'instant. Donc là, bien sûr, on va venir ici. Voilà. It's not over. Bonne nuit, Gayarouts. Et Douré, repose-toi bien aussi. Prends soin de toi. Et la prochaine fois que j'arrête de manger ces gâteaux-là, parce que ces gâteaux sont bien, bien, bien meilleurs. On peut dans du lait. Part en morceaux. Voilà. Et déjà fini? Oh non! Ah si. Oh, j'ai eu peur. Non, ils seront rangés avec les autres du coup. Il reste des gâteaux dans les placards, les plats. J'ai qu'un paquet de gâteaux avec moi, les autres sont dans les placards. Bah, ils seront rangés dans mon estomac. Entre nous, ils y prendront bien moins de place. Les sites du rituel ont été préparés. L'invocation commencera dès que chaque bûcher aura été allumé. Allez-y, allumez les flammes, tandis que je libère la poussière de notre grand sage dans les airs. Les flammes de nos bûchers embrasent la poussière de Phalène. Bien que brièvement seulement, elles nous offrent l'illumination. Respirez, mes enfants. Respirez. Voyez le monde à travers ses yeux, mes enfants. Laissez la poussière, les flammes et la fumée vous emplir. Qu'elle baigne vos gorges. Qu'elle vous montre la vérité. Mais préparez-vous, car cette vision envoie les hérétiques. Aveuglez, foudrage, la réalité de votre grand sage va les déchaîner. Vous devez protéger vos lumières sacrées, vos bûchers, de ces immondes créatures. Sans la lueur de nos feux, notre invité pourrait refuser votre invitation. Les aveuglés s'approchent de l'église. Pourfendez-les, mes enfants. Pas de quartier. Mmh.
hérétiques sont venus avec des briques misérables. Que vos yeux ne soient pas trompés. Tout ce que vous voyez devant vous doit mourir. Peu importe sa forme, homme ou bête, ces ombres tordues servent la volonté des imposteurs. Mal ça, hein. Sur des les misérables aveuglés se dirigent vers le bûcher de la rive. Mes enfants, vous devez le protéger. Cessez de tenaces, attaques de tous les côtés. Ne laissez aucun bûcher sans surveillance. Ne laissez aucun hérétique d'amour. Yes, c'est bon, je les ai eus. Yes, voilà. C'est ça qu'on veut voir. Un nouveau sacrifice s'approche. Téléporté, lui. Tout va bien. Ah, il aime pas tout, il est plus en streaming. On est plutôt bien là. Puissantez-vous, le grand singe s'approche. Il attend notre signal. Vite, mes enfants, venez à nouveau à moi, sur le toit du musée. Nous devons l'inviter, nous rejoindre. Lui montrer notre amour et notre gratitude. Dansez, chantez. Expulsez la bile de vos intestins. Montrez de l'émotion. N'importe quoi. Tu nous entends. Notre haleine, ça. Tu as accepté notre amour. Lotica. Le sang est plus insecte. Venez, ça n'arrivait pas. Comment ça n'arrivait pas? Laissez le grand sage vous regarder. Ah, tu sais qu'il a planté? Prélassez-vous. Savourez sa sagesse. Robe d'adepte, tu vois le plan? Passé là. Pourquoi j'ai un truc comme ça, une indication ici qui me dit qu'il faut que je regarde. Non, ça me dit que c'est l'abonnement chez Skyrax qui a expiré. Non. J'ai deux Skyrax pour le prix d'un là. Et Kared. C'est moi qui l'ai ouvert et donc ici le raid il était deux. Ah, c'est l'archi Kared ici, c'est bon ça. Et je sais plus ce que je voulais dire, ce que je voulais faire ou ce que je voulais penser. Hey, là, ça va être plutôt long en fait.
peut faire une autre bière bientôt là. Là, il faudrait que ce truc la repousse. Je pense que les ennemis que j'ai déjà éliminés vont pas réapparaître, mais il me reste vraiment que cette quête-là. Tuer un gobeur, participer aux quêtes de l'homme Falen. Mais normalement, oui, il pop toutes les heures. Urtica était censé pouvoir les tuer, les gens dedans, non? Enfin, faut attendre qu'il pop quand il y a la suite de la quête. On était où? On va voir ça ici. J'essaie rapidement de les vendre des trucs qui me servent à rien. D'abord, on va terminer de faire le tour des ressources pour stocker. Gare, la plus proche c'est celle-ci je crois. Il est 3h14. Le temps passe vite. Après est-ce que t'as pas la moyenne de relancer éventuellement si jamais cette quête pose problème? Faut pas oublier en fait, faut attendre que les zones soient attaquées. Faut que vous soyez plusieurs et que faut attendre que les zones soient attaquées dans la mission, mais tu dois déjà le savoir en fait, je sais pas pourquoi je te le dis. Les ennemis ne pop pas tant qu'on n'a pas avancé et allumé tous les feux. C'est l'avant-dernière étape, il me semble, de protéger les bûchers. Oh. Alors après, c'est quelqu'un qui l'a déposé ou c'est toi qui l'a, ça t'a compté quand même, l'œuf d'écorcheur? Je vais pas faire comme ça. Ça vieillit ça dedans. Ah non, les Radaway, je peux en virer plein. Je les utilise pas. Déjà beaucoup de place à qui qu'on a gagné en inventaire. On verra une partie de tout ça. Et est-ce qu'en revenant ici, on va avoir de nouvelles choses? Ça, 26 niveaux sur PC. Pas 26 niveaux. Pour atteindre le 150, mais le 150 pourquoi? Hey, ça fait plaisir de vous revoir. Fasse popper des gobeurs pour les tuer. Et moi juste attendre que la le truc soit terminé. Toc toc toc.
part, je ne comprends. J'aime bien ce concept de plan qu'on peut revendre et tout, ça me plaît. Je plantais dans l'espace à jamais. Pourquoi ? Mais ça me trie. Mais t'as le jour que 10 ans après. Donc il ne reste plus qu'à attendre bien gentiment que les choses se fassent. Pas oublié qu'il faut que j'aille chez le dentiste le 9 aussi. Il y a encore la quête du diable bleu. Au final. On est j'arrête. Me revoilà plus ou moins, pardon. Je sais pas combien de temps ça prend pour faire les missions, enfin pour les quêtes de fermentation. J'ai dû essayer de le faire plus tôt. Après, ça fait que 38 minutes qu'on a lancé le truc. Ça passe. Bon. Il va peut-être que j'aille chercher quelques petites ressources vite fait, histoire que ça se fasse plus vite. Et hop, pardon. Là, mon PC en déplaçant ma chaise. Donc, tout ça, c'est OK. Je n'arrive pas à oublier ce cauchemar. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi ? Saison. Est-ce qu'on a des points à dépenser ? Bien sûr qu'on a des points à dépenser. Donc on est arrivé ici. On n'a même pas encore atteint la moitié. Après, c'est la deuxième semaine, là, 33 sur 100. Diabolique de Union, je sais pas en quoi la diabolique, la peinture. Peinture diabolique de Puma, tu vois. Mince. Bien aimé ce tableau, il me plaît beaucoup beaucoup. On est même pas à 2 sur 3 là. On est où ici ? Je me demande bien ce que fait Athéna. Avec son corps de l'Azérotron, je me dis qu'elle s'en est bien tirée. Je vais retourner voir si ici il y a des... comment dire, des... des gobeurs.
gobelins sont bien là. Ouais, il neige toujours dans la maison, Darius. Normalement, t'as différentes options pour changer les ambiances météo. Dans une précédente saison, t'avais la neige. Ou alors c'était dans un achat la neige, je sais plus. Trois trucs de météo automatique qui sont le brouillard, je crois actuellement, la neige et la tempête. Encore ici la tempête. J'aime bien l'ambiance neige comme ça. Normalement on est censé être sur cette ambiance là visuellement. Où est-ce qu'il y a l'autre gobeur? Il y en aurait d'autres par ici. Sauf que ce lieu, je l'ai pas découvert. On va partir d'ici. Alors, on combien là tu es? 2. Donc si on croise 2, on est bon. Comment les différentes zones on peut en trouver? J'ai une carte interactive sous les yeux. Monsieur le gobeur, vous inquiétez pas. Et voilà. Et une mission accomplie, une et un niveau supplémentaire récupéré. Du coup, je peux récupérer des points de saison encore. Ça m'agace par contre quand on tourne toujours sur la page d'origine là. Des ballons. Hein. Ça, j'ai encore un peu de temps. Ça va, Gamepad? Là, il s'est bien passé. Il prend assez tôt cette fois. Comment ça, la dernière fois, tu t'es pas pris assez tôt? Quoi? Arrivé pendant la pause? Pardon. Il reste qu'à faire deux fois la mission ici, la hebdomadaire. Mais je vais attendre que ça se termine là, mais ça prend des plombes. Ouais, je me gourre. Où ça en est là, le reste. Les gobeurs, on s'en est occupé. Poète, 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 poète. Désolé. Je pensais justement à vous. Je me suis déjà débarrassé de tout ça, ça en est où ça?
Ah, normalement on est passé à deux là du coup. Voir. Ouais, 2 sur 3. Ouais, il reste plus qu'à attendre un tout petit peu, on aura terminé toutes les quêtes de la journée. Ah, t'as fait un raid pendant la pause. Bien plus. Et pendant la pause. Et à Vimonde, bonsoir, qu'on retrouve la bonne ambiance et la bienveillance du monde des bisounours, c'est-à-dire, quoi que s'y se passe. Y'a un truc qui va pas là? Ah, t'as l'épisode? Et moi, c'est le moment du coup de barre. Ah, je suis en convention ce week-end. Alors, on va être vendredi, du coup. Donc ça veut dire que... à quelle convention, si c'est pas indiscret? Et long... On pourrait se balader, faire des photos. Donc oui, tu me poses la question. Tu vois, là, c'est le temps qui fait normalement, si je m'éloigne. Ça, c'est le temps normal. Et en fait... il fait plutôt soleil, quand je me rapproche de ma base, il y a cet objet là qui transforme le temps. Là, et là c'est un bonhomme de neige, donc ça me remet du brouillard un peu autour et de la neige. Ça, il neige toujours sur ma base et t'en as d'autres comme ça, des stations de météo. Oui, attends. Blue Blue, c'est quoi? C'est un vélociraptor? Yo, que c'est long! Je sais pas si le truc avance tant que je suis à côté. Là on avait déjà vu. Ah si ça tient ça. Enfin oublier ces cauchemars. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi? Je me situais dans ma propre base. Tout va bien. J'ai attrapé presque tous les voleurs des prisons, sauf le cow-boy avec son cheval. Mais je finirai bien par l'avoir un jour. Comment il dit ça? J'ai de la peine, ce camion pose n'importe comment sur le rocher. Hein. Il fonctionne un peu encore malgré ses pneus plats, hein. Tu vois, regarde. Continue à produire du ciment, encore et toujours. C'est parfait. Bon, allons nous balader un petit peu jusqu'à ce que le truc se valide. Je sais pas, allons visiter des maisons. Il y a d'avoir deux maisons, une à côté de l'autre. Là, je suis curieux d'aller voir celle-là. Il fait fatigué. Ah, désolé. Ah. Voilà quelqu'un qui, ma foi, semble avoir très bon goût. Très joli, hein. La de Bia, hein, on reconnaît l'un des précédents tableaux, là. Salle d'exercice. Salle de jeu. Chambre. Et notre chambre. Ah, ça y est, enfin, c'est fini. Et les ongles, du coup.
Et c'est souvent comme ça quand tu te coupes les ongles, enfin, ça dépend comment tu les coupes, mais moi je les fais au coupe-ongles et du coup ils sont toujours abîmés, ils accrochent tous les tissus et trucs, j'ai horreur de ça. Les cheveux. Et si tu peux, mais tu seras recherché après. Bon, en fait, tu peux te faire attaquer. Bon, en général, c'est pas quand même. Moi, je me suis jamais fait les trucs à ma base quasiment depuis que. Non, en fait, je me suis jamais fait les trucs à ma base. Normalement, tu te prends des amendes, entre guillemets, t'es recherché après si tu fais ça. On va pouvoir arrêter, je pense. On est arrivé au bout. Pardon. Alors, du coup, on a terminé toutes les quêtes du jour. Le reste, c'est que les quêtes où il va falloir avancer sur des terrains. Tu vois, par exemple, il va falloir une demi-heure encore pour le prochain Equinoxe de l'âme phalène. Donc, on va partir sur Disney, je pense. Hein. Sauf que Disney, en fait, il se renouvelle à 4h seulement, ou à 5h. Ça faisait envie, ouais, le collecteur du jeu était joli. Voilà, coupons cette rediffusion. Déjà un petit moment quand on en roule. J'espère que celle-ci vous a plu quand même, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Des bisous, prenez soin de vous et à tout de suite, je reviens du coup, j'arrive. Ba-dum-bum-b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 a-dum